Salut à tous, c'est Shoki0030 et donc on est parti pour le dernier niveau de ce 8ème chapitre. Donc qui dit dernier niveau dit forcément boss, enfin peut-être hein, je pense, parce que vu ce qu'on s'est tapé comme boss dans la partie précédente là, All Rocks, c'était ouais, je pense, je sais pas s'il va y avoir un boss ou pas, donc on va voir ça tout de suite. On y va. The blood of All Rocks has opened the way to the Queen. She holds the next piece of the God Mask which Gabriel must acquire if he is to be with his beloved again. She will try to seduce him, to glamour him, but he will see through her mask, I'm sure of it. He is so very strong now, and even she must fear her own death at his hands. I can smell her fear, her stench. Vampires can sense the living, but the dead she cannot. She knows Gabriel is here. Ok, donc là on part pour la salle du trône, donc la salle du trône, c'est là où doit se situer ben, la reine noire là, je crois que c'est ça. Donc là voilà la vampire qu'on doit tuer. Donc là il nous donne ça, on va en prendre. Ah ok, allez c'est parti, on y va, on va voir. Alors là je vois un cadavre qui est mort assis sur les murailles. Oh. Oh. Je pensais pas qu'il pouvait nous donner une gemme comme ça là, aussi facilement. I am told that you are looking for me, warrior. That you seek to obtain the power of my other half. You are brave and handsome. Would you not prefer to stay with me forever? I can show you many things, many pleasures. Your empty promises mean nothing to me. You and your brothers have betrayed us all. You are the reason why the world is in darkness. You are a fool, Gabriel. You think I don't know who you are? My sister, in her piety, wanted nothing but good for the world. But in her arrogance, she begat me and brought doom upon herself. Mankind is ruined, and you must choose sides, warrior. I choose life, not death and decay as you have. Death is merely a question of perspective. We are not so different, you and I. Your god cannot save you now. You will be one of us eventually. It is inevitable. No. I will take the three powers and unite them. You would kill those who founded your own holy order. You are even more cold-blooded than I. Who is the real monster here, Gabriel? You poor, deluded fool. You think you can bring someone back from the dead, don't you? Someone you love. You are betrayed. There is no resurrection. Only this living death you see before you. Join her then. Nom de Dieu, elle s'échappe. Ah non. Je crois qu'elle va me balancer des pouvoirs dans la tronche là. Tranquille. Viennent à l'abri en haut. Et moi j'ai toute l'armée de vampires à affronter. À esquiver ça, à esquiver. Oh merde. Ouais, oh, j'ai bien fait, j'ai esquivé là. Par contre je crois qu'il faut courir en fait. Putain, là il y en a vraiment trop. Il m'a envoyé toute une famille là contre moi. Oh! Ah! Ah! Non, ça va, faut vraiment courir comme ça. Voilà, c'est bon.
Aïe! Motherfuckers. Là, je sais pas si je tape, si j'en tape un. Mais je crois que ça lui fait mal quand elle envoie de l'électricité. Je crois qu'elle peut toucher ses potes. Regardez. Putain, j'essaie de courir vite. Lui, il essaie de m'empêcher de passer. Non, ça n'a pas marché. Allez, premier. Il en reste 400 encore. Bah voilà, moi je ne vois pas arriver. La salle, elle est mal foutue là. Putain, merde, fuck. Putain, ces gars-là, quand ils sont tout seuls, c'est vraiment des merdes. Par contre, en groupe, c'est... Voilà, c'est ça qu'il faut. Allez, un petit mort là, s'il vous plaît. Lui là, il est tout seul, je sais pas ce qu'il fait. Oh putain, y'en a un là. Allez, celui-là c'est bon, ça fait le troisième. Il en reste encore beaucoup. C'est bon, quatrième. Hop. Ouh, c'est Jess là. Ah, bien. Ah. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu. Je crois que j'en ai encore un derrière moi là. Il va me choper. À moins qu'elle ait tué ses propres... Hop. Ok, ok. Chargement, ça c'est bon ça. Au moins on sait que si on crève, on n'aura pas à rebaser ça. C'est plutôt bon signe. Ah, alors ça par contre c'est pas sexy ça. Ça c'est pas joli. C'est pas... Ça c'est immonde. Pas dégueule même. Par contre il y a ces deux potes là qui vont... On va essayer de se focaliser sur ces... Ces deux sbires là. Qui servent à rien. À part me faire chier. Et voilà. Putain, t'as... Ah, allez, voilà, c'est bon, ça. Voilà, ça m'a permis de récupérer une infime partie de ma vie. Eh, mais y'en a pas un qui est mort, là? Non, même pas. Ah, il recommence avec ça, là. Putain, mais... Non, mais t'es sérieuse, là? Allez, vas-y, tue-moi, parce que... Non, ça, là, c'était pas... J'étais trop mal parti. J'étais bien trop mal parti, là. C'était même pas la peine d'essayer. C'est ces deux
C'est ces deux cons là, ces deux potes là qui... Et ça aussi, là, je comprends pas ça. Oh regardez, il y a un bug là, non? Il n'y avait pas un bug là sur le côté? Ah non, c'est... je sais pas ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que cette porte bizarre, oui. J'espère qu'elle en fait pas apparaître d'autres si je les... si je les tue, le con là. Allez, esquive. Ah mais je dois esquiver tous les coups de la planète là, c'est un truc malade. Allez, là j'esquive. Lui j'esquive, hop. Petit coup dans la gueule. Hop, là j'ai pas esquivé. Putain, j'ai quand même une épée dans le bide. Putain, mais lookez-moi ce bordel. Allez. Oh merde, 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 merde. Non. Mais non, putain, laisse-moi me concentrer sur ça. Laisse-moi une chance, salope, va pétasse. Mais moche comme un cul déjà là. Oh. Attends, je peux éventuellement. Ah oui, oui. Je l'avais même pas vu quoi, j'ai envoyé un couteau, ça... Non, tu te fous de ma... Alors c'est quoi le but? C'est d'en tuer un seul pour qu'ils arrêtent... Non mais fuck. On va y aller méchamment là. Ah oui, oui, oui. Ça. J'avais zappé ça. Attends, 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 vas-y. Voilà. Non, mais va te faire foutre. Là, j'ai peut-être... Ah, viens. Ok, est-ce qu'il y a eu un chargement ou pas? Enfin, un point de sauvegarde. Ça, tu vas... Je sais pas si... Ah, attention, elle fait un AOE maintenant. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus ces enculés de... Ok, elle nous envoie des chauves-souris dans la gueule maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait là? Petit AOE. Va te faire foutre avec ça. Oh putain, mais c'est que ça fait mal en plus, sa merde. Oh là, j'ai fait une espèce de Hadouken au bon moment. Allez, monte au ciel. Ah, elle a plus envie, je crois, en ce moment. Je sais pas s'il faut que je saute. Je pense pas qu'il faut que je saute. Apparemment, ça, c'est un truc qui se fait juste en dessous d'elle. Là, normalement, ça devrait aller. Ça, c'est pas... C'est pas très dangereux, on va dire. Là, je suis trop rapproché d'elle. Ah, ça va, si le combat... Si le combat, il...
il se poursuit comme ça, ça devrait pouvoir le faire. Là, j'ai mis deux bons coups là qui m'ont donné pas mal de vie. À l'arrière de macaque. Oula, je me suis fait gratter le cul par les chauves-souris là, c'était pour moi une. Alors attends, là on arrive à la fin. Fin du boss. On va vite fait de faire le fifou. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Mais qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse, ce PD? Oh non, mais j'y crois pas, je dois faire un truc. Je dois faire un truc, mais je sais pas quoi. Ok, c'est magnifique, c'est merveilleux. Va falloir que je remette ma vie en danger, là, pour refaire cette espèce de QTE, là, qui... Et là, je vais me prendre une. Oula, on a de la chance qu'elle soit pas très réactive sur ce coup-là. Oh, ça y est, j'arrive au maximum de mon. On va recharger notre. Putain, ça faisait longtemps ça. Ok. Et qu'est-ce qu'ils veulent que... Voilà, c'est ça qu'ils voulaient que je fasse. Fallait que je lui tape dessus avec le poing en fait.
Oblivion. Sempiternum. Daemonis. Soon, the destiny of every living being will be in the palm of your hand. I now know that the founders of the Order created the Lords of Shadow. They are one and the same. They ascended into heaven as pure spirits, but left behind their dark sides. Why are we paying the price for their arrogance and stupidity? Tell me, what am I fighting for? Only when we look inside ourselves can we truly begin to understand. What is this sorcery? How far are you prepared to go to uncover the truth? Bien, vraiment pas mal là, c'est cool parce que j'avais peur que le boss de ce niveau il serait aussi dur que celui du précédent là avec Olrox, je crois qu'il s'appelle, l'espèce de gros vampire là que j'ai galéré comme pas possible, c'était vraiment la merde. Non, ça va, c'était un petit bon boss sympa là quoi. Bon allez, on va continuer, hein, on va pas perdre de temps, ça va, on y a mis quand même 23 minutes quand même dessus ce boss. Chapitre 9. C'est parti. Alors, il est tout petit, il y a 3 niveaux dedans. Après il nous restera 3 chapitres encore. Bon, ça va. Ce jeu fait en tout une vingtaine d'heures, il me semble. Hein. Donc, Forêt d'Ossements, c'est parti. Pan comes again with words of wisdom and advice for our hero. Gabriel is angry now. Carmilla's betrayal has made him question his own faith. The Brotherhood means nothing to him anymore. He only wants his Marie back. He now has 2 pieces of the mask and only 1 more to find to make it complete. He must travel now to the land of the dead, and he must face the final lord, Death himself. There are still many leagues to travel, and I cannot risk being seen for I... Ok, donc c'est parti, on part pour affronter le dernier boss, là, le dernier gars qu'on a tué. Donc là, la forêt d'ossements, donc ça va être un endroit assez particulier à mon avis. Hein. Déjà on peut le voir là, c'est assez glauque. On a des arbres un peu mal formés. Hein. Je sais pas trop ce que c'est, des big baobabs. Baobab. Alors là, on a pris une espèce de portail téléporteur. Ah oui, on a gagné ça. Épaulière de Séraph. Alors, de nouvelles compétences étaient bloquées. Carmilla, en tant que fondatrice de la confrérie, a reçu des épaulières magiques en cadeau de la part de l'ordre pour sa dévotion et la pureté de son esprit. Fabriquées avec des plumes d'archange, à l'origine, les épaulières de Séraph permettaient à leurs porteurs de voler sur de courtes distances. Maintenant, après des siècles de détournement par la reine noire des vampires, seule une fraction de leur pouvoir originel demeure. Ça veut dire qu'on peut, genre, voilà, juste se faire un double saut avec. Normalement, avant, tu pouvais voler sur de courte distance, pardon, excusez-moi, un petit problème. Maintenant, on peut juste faire un bond.
C'est bien quand même. C'est gratuit de toute façon. Dire. En avant. Ça c'est good. On reprend un petit peu de vie. On redonne de la bière. Je me demande quelle sorte de monstre on va avoir encore. Des gobelins là sur... Sûrement des gobelins, je vois. Ah, tiens, alors déjà je vois qu'on peut passer par là-bas. On va essayer de faire le tour un petit peu, voir s'il n'y a pas des choses, d'autres choses, on sait jamais. Donc il y a des bateaux. Ah, ben voilà, voilà. Tu vois, j'aurais passé à côté de ça quand même. C'est pas. C'est dommage, ça aurait été dommage. Et en plus, une gemme rouge. Oh! Et en plus, on comble le bordel. Et voilà. Magnifique. Vous imaginez à quoi, à côté de quoi on serait passé? Ouais, je pense que là, comment on commence à être blindé, quoi. On a presque tout à fond, en espérant que ça suffise pour aller jusqu'à la fin, parce que en fait, à vrai dire, j'ai un petit peu la flemme de refaire les niveaux pour chercher les trucs que j'ai loupés, quoi. Ok, donc, on a des bateaux ici, alors qu'est-ce qu'ils foutent là, les bateaux? Comment sont-ils arrivés ici? Ah, ben voilà, voilà quoi, ça va me servir. Si seulement ça marchait, ça serait bien. Voilà. C'est le même petit moment. Alors après, ouais, il faut aller par là, ok. Encore les ailes. Et alors? Ah bah il y a le skin de nos épaules qui a changé là, non? Je sais pas du tout, je crois que oui. Vos ailes peuvent aussi vous permettre de sauter plus haut et plus loin. Bah oui, c'est ça j'avais remarqué quoi. C'est heureusement que c'est maintenant qu'ils nous le disent quoi. Oh nom de Dieu. On s'est attaqué par des petits trolls. Ouais, je crois, il me semble bien qu'on pouvait les attraper comme ça. Donc ça c'est bien qu'on soit tombé puisqu'il y avait un cadavre en fait en dessous. En plus ils ont failli nous arnaquer là parce qu'ils nous disent saute d'utiliser nos ailes là pour pouvoir passer mais en fait en dessous on est baisé. Alors là, il nous a donné un truc. Voilà. On dit qu'une sorcière hante les environs, alors je dois rester sur mes gardes. J'ai croisé des créatures terribles et fait face à des épreuves hors du commun durant mon périple, mais j'ai trouvé la force de Dieu à travers cette adversité. J'ai développé des compétences martiales extraordinaires et une maîtrise de la magie, de la lumière et de l'ombre qui s'est révélée très utile. Je me sens assez fort pour affronter n'importe quoi et peu de créatures pourraient me surpasser en combat singulier. Que tremble le seigneur de la mort. Non, des morts, bon c'est pareil, on s'en fout quelque part. La fin du parchemin s'arrête brusquement. Oh. S'il faut, il s'est fait avoir pendant qu'il écrivait. Alors comment qu'on fait attendez, je vais essayer de. Ouais, je crois que c'était ça qu'il fallait faire. Ou pas. Ah, ça sent le gobelin, ça. Ça pue le gobelin, ça. Oh, mordieu, des morts vivants. Oh, des morts vivants qui ont encore des cheveux. J'aime pas ça, hein. Oh, mon dieu, qui sont les. Merde, qu'est-ce qu'il... Merde! C'est des fakirs, ils s'arrachent la tête! Ah! On se bat contre des têtes qui volent! Oh nom de Dieu! C'est des fakirs mort-vivants! Oh! Ah, ça y est! Ils peuvent me dire un petit peu comment on est censé les tuer ces gars-là.
Peut-être en tapant sur le sol, comme avec les... comme avec les... Oh! En fait, faut taper leur tête et faut les... faut attendre qu'ils sortent du sol. Comme des tops, en fait. C'est comme des tops. Faut attendre qu'ils sortent du sol et... Faut les attirer. Ah, non, de Dieu, il essaie de mordre. Non, pas le bon moment, là. Oh, con l'enfoiré. Non, mais il se fout de ma gueule. Je vais essayer de taper sur le sol. Comment on fait déjà? Attendez, j'essaie de taper sur le sol. Ah! Putain, mais moi j'ai cru que j'ai vu les morts vivants, je me suis dit... Merde, qu'est-ce que c'est que cette merde? Quand j'ai vu le mort vivant, j'ai cru que j'allais les affronter, quoi. Les affronter au corps à corps, mais pas. Putain, ils se sont mis en mode bâtard là, ils se sont mis sous la terre, merci. C'est pas très fair play, hein. En plus, on a des espèces de statues tribales là qui nous crachent de la vapeur à la gueule. Attendez. Vous vous rendez compte quand même le bordel pour 3 morts vivants. Morts vivants, le truc le plus simple à tuer, c'est. Dans les jeux vidéo généralement, c'est. Attendez, est-ce qu'on peut passer par là? Non, non, non. J'espère qu'en montant par là, je vais pouvoir sauter. Enfin, je vais pouvoir repasser par sur le côté là où on est allé. Oh. Parchemin, c'est parti, lecture. Les choupas... Oh putain, non c'est pas vrai. Enculé de choupa choups. Les choupacabras vagabondent dans ce coin, je dois prévenir la confrérie. Ces satanées créatures ne font rien d'autre que de voler les reliques et jouer à des jeux stupides. Nous avons... Mieux à faire que de prendre part à des jeux sans intérêt. Nous devons sauver le monde des seigneurs de l'ombre. La mort marche sur le monde et la terre souffre. Je suggère que l'on extermine les choupacabras une fois pour tous et qu'ils disparaissent de la surface du monde. C'est la volonté de Dieu et Dieu nous commande. À mort la pourriture. Ouh, il est énervé lui. Les choupacabras, c'est les trucs les plus inoffensifs du jeu, c'est, il veut les exterminer. Bah. Ah! Oh merde! Allez, viens là toi. Alors là, on a un gros rocher. Ah, à mon avis, il va falloir affronter un... À mon avis, il va falloir rien faire ici. On peut pas passer. On peut pas passer. Il aurait peut-être fallu affronter un gros troll pour péter la pierre. Là, généralement, c'est comme ça que ça marche. Mais apparemment, je sais pas, on verra. Donc alors ici, comment on fait? Vous avez une idée? Moi non. On fait comme ça. Et hop, ça passe crème. Et... Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est ce mécanisme? J'aime bien parce qu'il lui fait un drop dans la tronche pour qu'il sorte de là. Allez ça. Hop. Et bim, je t'éclate la gueule. Oh
Oh, Kong, j'y crois pas. Vous avez vu ce qu'il a fait quand même. Il allait chercher le petit rubis là, ou je sais pas quoi, le petit gemme pour au lieu de tuer le. Oh! Lâche-moi, enfoiré. En plus, c'est vraiment pour rien que pour nous emmerder parce qu'il peut rien faire d'autre. Hein. Il a pas de tête, il peut pas nous mordre. Oh, je sais pas si vous avez vu, il a quand même. Petit bug, il a quand même tapé un monstre qui n'existait pas. Encore, mais je crois qu'ils sont pas tous morts. Hein. Ah merde! Oh, quand lui, il s'est bien caché lui. Ah merci. Donc en fait, faut aller juste en dessous, me semble-t-il. Ah. Hop. Fuck, je sais pas comment je vais faire pour passer en dessous. Parce que si je shot normalement, ça passe. Ah non, ça va, je vais trop loin. Je vais essayer de pas courir vite en fait. J'essaie de pas courir vite, j'essaie de courir genre normal comme ça. Hop. Hop. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire. Alors. Ça va être compliqué ici, on va avoir peut-être une phase de plateforme. Et je suis sûr qu'au bout de ça, on va se faire voler nos affaires par un chupacabra. Vous le croyez ça? Vous le croyez ça? Regardez-moi cette tête à claque. Nom de Dieu, mais regardez-moi ça. En plus, j'ai l'impression qu'il largue une caisse à chaque fois qu'il disparaît. C'est vraiment un truc de malade. Je suis pas grave. Putain, la forêt est en feu. Mon Dieu! C'est la fête du snipe. On s'est fait voler nos reliques et la fête est en feu. La forêt est en feu. La fête est en feu. Putain. Plus rien ne va là. Vous ne pouvez pas sauter dans cette distance sans vos reliques. Non, bien sûr, j'avais compris. Merci. Oh, on a un petit passage ici. Monsieur est décédé. Pour le grand bonheur de moi. Parce qu'il va me donner quelque chose de bien, hein. Oh. Quel enculé. Ça, c'est rien que pour me narguer, ça. Ah. Enfin, un adversaire un peu... Ça fait longtemps, hein. Ça fait vraiment longtemps. Là, j'ai eu de la chance, les gars, je peux vous le dire. Je l'ai. Ça y est, il commence à parler. Non mais c'est dingue, à chaque fois j'essaie de tenter un petit combo, c'est tout de suite ça... Putain, pourquoi il a les yeux qui sont devenus rouges maintenant? Hop là. Ok, allez, on va péter ce caillou. Bah, est-ce que ça va pas nous faire apparaître derrière là où on était tout à l'heure? Bah, t'es assis. Aveugle tué, mais ferme. L'autre il me balance un caillou. Comment il est secoué dans tous les sens, mon perso. Oh. Ah bah t'es, elle est là.
Ok, l'enfoiré. Il aura pas été trop chiant celui-là. Regardez comme il se chie dessus. Tiens, connard. Voilà. Là, je pensais que derrière le caillou, il allait avoir un chemin ou un truc comme ça. Donc, là, c'était vraiment planqué derrière le caillou. Quoi. Maintenant, par où on passe? Ah oui. Attendez, bon, on va essayer de revenir en arrière. Merde, par où on était allé? Par là? Oula, il se passait un petit peu... La caméra, elle est un petit peu partie en freestyle. Mais c'est passé, mais c'est passé. Ah, chargement. Un petit point de sauvegarde. Là, j'étais en panique. Là. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh la vache! Oh là là. Ça m'a sauvé la vie. On dirait pas comme ça, mais c'est vachement utile. Nom de Dieu! Oh merde, je suis vraiment trop con quand même. Putain, j'étais trop heureux là parce que j'étais pas crevé grâce aux ailes et comme un con, je... Alors par contre, là, je... Voilà, ouais, c'est bien ce que je me disais. On va essayer de... Voilà. Maintenant qu'on a les ailes, ça y est, hein, ils vont nous faire utiliser que ça tout le long du jeu. Enfin, tout le long du reste du jeu. Ouais, ben, faut les utiliser vraiment partout, quoi. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a nous donné? Message. Lui, c'est un message qu'il a donné. On rentre dans un espèce d'endroit sinistre. Je l'ai vu. Gandolfi est vivant. Il se cache dans la forêt déguisé en vieux mendiant. Je suis sûr que c'est lui. C'est le guerrier que nous attendions tous. Il vaincra le Seigneur de l'Ombre avec son épée légendaire et nous sauvera tous. Je savais qu'il reviendrait et que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est bon, on l'a lu, merci. Alors là, on arrive. Alors là, je vois un squelette de cheval, sûrement. On arrive dans une espèce de rien du tout, puisqu'on vient de finir le niveau. Donc là, 43 minutes, je vais aller petit niveau en plus, petit niveau en plus, comme ça, prochaine vidéo, on finit ce niveau. Bruyère de la souffrance, c'est parti, on y va. The stench of death is strong. A witch holds power here, but I sense Gabriel is more than a match for her. The bones of his fellow warriors litter the place, but he seems oblivious to them. Stoic and determined to move forward, he doggedly fights on. He has not slept for days, he rests only briefly. I sometimes hear him talking to her, telling her... Lost your way? Oh, lost your way? Master told Baba you would come. Who is your master? The king, of course. The king of the angels. Lost your way, then? Baba can help. Baba knows the path. Where is it? Where must I go? Only in the music box can blue rose grow. Baba wants to be young and pretty again.
bring Baba Blue Rose. Baba will show you the way to the land of the dead. Baba shrink you small enough to enter the box. Inside, you must pass the test and bring Baba Rose back. Baba will be young again. Oh, yes! Box locked. Scarecrows took keys. Oh, bad scarecrows. Keys of three. Bring me three, and you will see. Baba glad to set you free. Find keys and bring to Baba. Baba not lie to you. Three keys. Go no further without the keys. I will get them for you, but you must promise to help me. Yes, yes, promise I will. Keys first. Go, go! Nom de Dieu! Qu'est-ce que c'était cette horreur? Mais c'est des trucs de malade. Mais j'aime l'environnement, j'aime ça, c'est bien! C'est bien! C'est une ambiance noire là, un petit peu horrible. Déjà, on a un cadavre. Un cadavre qui va nous dire sur son parchemin qu'ici c'est la merde et tout. Oh, fuck, putain. J'en ai marre! Alors. Récompense de l'énigme après résolution. La sorcière a dit que les épouvantails plantés sur les poteaux étaient vivants. Et au début, je ne l'ai pas cru. Mais après en avoir observé pendant des jours, je ne sais plus que croire. Hier, un couple d'oiseaux s'est perché sur la tête d'un épouvantail et je jurais que cette chose a tenté de les attraper. J'ai immédiatement tiré mon épée et attaqué le monstre. Mais il est redevenu inerte, ne répondant pas à mes coups. C'est les oiseaux. Alors il va falloir faire quelque chose avec les oiseaux. Alors, ils sont où ces cons d'épouvantage? Alors déjà, ils nous demandent de toucher ça. Donc on va toucher ça, ok. D'accord, alors il faut faire avancer les oiseaux. Jusque sur... Oh! Oh nom de Dieu! On a encore ces espèces de salades et ces... Oh là là, mais sérieux. On se fait attaquer par des petits poivrons là, petits. Nom de Dieu, mais c'est qu'il y en a beaucoup. Voilà. Crevez donc, enculé de radis. Sérieusement, non. Vous foutez de moi avec ça là. Ils envoient des laitues nous attaquer, quoi. Non, mais... Heureusement que quand on touche ça, ça annule leur coup, quoi. Attention. Oh la vache. Oh. Oh merveilleux. On va se battre contre un bout de bois mélangé avec des os. Alors il a une attaque apparemment assez assez longue. Il a une bonne allonge. Il a une attaque assez bâtarde aussi. Nom de... Ah.
Putain, j'ai plus de vie. Oh fuck, c'est à cause de ces saletés de salade sur pattes là. Attendez, il y a des cadavres partout. Et c'est un truc de taré. Vous avez vu ça ou quoi? Cette région grouillait autrefois de vie et était pétrie de beauté. Pétrie. Regardez là maintenant. L'odeur épouvantable de la mort est partout. Les épouvantails voient tout et j'ai entendu dire que les corbeaux de Malfa surveillent ce lieu et servent d'espions à leur maîtresse. Une vieille légende raconte qu'une sorcière tua l'aimée de Malfa et que cette dernière jura vengeance contre elle. Je me demande si cette vieille bique vit encore ou s'il s'agit encore d'une histoire destinée à effrayer les enfants réticents à s'endormir. Non, on va aller là-bas de ce côté. Ça va, tant qu'il n'y a pas les petites merdes. Petites merdes vertes là qui se réveillent, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? J'ai vu ma mort et c'était horrible, en effet. Mais je suis soulagé que mes rêves me disent que quelqu'un gagnera et triomphera des seigneurs de l'ombre. Je me demande s'il fouille déjà cette terre et apporte destruction à ceux qui veulent anéantir tous ceux que nous aimons. Si c'est le cas, on ne sait pas. Et attendez, il y en a un autre de l'autre côté là-bas. Voilà, ouais, ça a été vraiment un véritable carnage ici. Oh! Apparemment là ils ont envie de nous donner tout ce qu'ils peuvent nous donner avant la fin du jeu. Ah ouh, vous voyez ça je... Là j'ai pas vu ça. Ça j'avais pas vu. Ah et voilà, ça à mon avis c'était planqué donc il va nous donner un truc bleu ou une connerie comme ça. Voilà, bien joué. Alors là, si vous... alors déjà j'ai plus spécialement de vie. Ah non, on va les tuer comme ça parce que ça va nous donner des points bleus. Et quoi que non. Ah merde, attendez, mais comment j'ai fait pour reprendre toute ma vie d'un coup là? Est-ce que le fait de trouver une gemme de couleur? Ah, oh, mais t'es là, il y a un truc. Bah voilà, c'est bon ça. Ça, j'avais pas vu. Ouais, c'est ce que je me demandais si c'était. Est-ce que de trouver une gemme là où. Je sais, putain, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, une gemme. Ça. Qu'elle soit rouge, bleue ou verte, ou je sais pas, n'importe. Ça nous redonne toute notre vie. Je sais pas, je pense que oui, apparemment. Bon, allez. Ils vont aller sur celui d'en face, là-bas. Non? Voilà. Ouais, parce que ceux-là, ils vont aller là-bas. Et ceux d'en haut, ils vont aller sur l'autre qu'il y a derrière, là-bas. Attendez, là, je pige pas. Il faut que j'aille par là-bas, faut que je monte là-haut. Faut que j'arrive à les choper avant qu'ils aient le temps de m'enlever un petit peu de vie. Il y en a un qui a réussi à me prendre un petit peu de vie là. Voilà, ça c'est bon. Oh merde. Je sais pas pourquoi il y a une espèce de musique. Comme si quelqu'un allait m'attaquer ou quoi.
Ok, bon, ben voilà. C'est bon, j'ai pigé un petit peu comment on va falloir faire après, voilà, la suite. Allez, j'aime bleu. Ah, ça y est, ils ont décidé de nous faire des cadeaux, là, dans cette partie. Tout ce qu'ils peuvent nous donner, ils nous le donnent. De toute façon, c'est bientôt la fin du jeu. Hein. Oh merde, ils sont revenus, ces cons-là! Saleté d'asperge. On dirait du gingembre. Voilà, comme ça, et moi, attendez, je crois que j'en ai un autre là-bas. Non, il n'y en a pas un autre? Non, c'est bon. Donc, attendez, alors, c'est simple, là, sur ce coup-là, en fait, il faut... Non. Ils sont où, les autres? Ils sont pas de l'autre côté, là-bas? Ouais, bah si. Oh! Oh, mais non, j'y crois pas, mais ça, il y a toute la famille qui se ramène. Voilà, j'ai ma vie à fond. Et j'ai même pas perdu de magie. Donc là, faut les envoyer là-bas. Voilà. On est bien d'accord. Ensuite, ceux-là, faut les envoyer là. Ensuite, ceux qui sont là, faut les envoyer là où étaient les autres. Je pense que vous avez compris, hein. En fait... Attendez, alors lui... Oh mais j'y crois pas. C'est merde vraiment, c'est vraiment la merde. Oh non mais regardez ça, y'a... Donc là, on va taper dans celui-là. Donc comme il y a les autres sur l'autre, en face, ils vont pas pouvoir y aller, donc ils vont aller sur... Sur la gauche, forcément. Et ouais, les corbeaux n'aiment pas partager leur bordel. Et donc, forcément. Et voilà. Ah, mais même les corbeaux, ils ont une sale gueule. J'avais pas remarqué. La tête des corbeaux, c'est du squelette. Même les corbeaux ils sont malfaisants. Ouf, nom de chien. Regardez ça. Ils ont tous un style d'attaque différent. Wouah. Fuck, il fait chier avec ça. Ouais, comme il fait mal quand même. Voilà. Allez, dans le haut. Tiens. Ah, c'est bon, j'ai vu. Il y avait la clé. Allez, plus que le troisième et c'est bon. Ok, très bien, ils se sont mis là. Moi, je vais juste, avant de fronter le dernier opponent qui se situe juste de l'autre côté là, je vais reprendre un petit peu de... Fuck. Ah, mais en plus, lui, il m'a bien entamé, quoi. Bah attendez, je vais les tuer. Je vais les tuer de cette manière. Je crois limite qu'ils servent à ça en plus. Hein. Puisque en plus on a le bordel illimité là. Donc forcément,
ils servent à reprendre de la vie en fait. Ça y est, j'ai compris. Un peu trop tard, mais c'est pas grave. Attendez. Là, va falloir attirer les oiseaux. Hop. Donc là, va falloir encore taper là-dedans. Tac. Ah, c'est pas le moment d'utiliser les ailes. Et voilà. Bah ils vont aller... Oh leurs ordures. Hop, je reprends un petit peu de vie. Ils sont repop où ces cons? Oh là. Alors un petit bug là sûrement. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'ai mon HDP vert, il s'est éteint, il a fait je sais pas. Alors je sais pas si... Si moi j'ai vu, vous vous verrez pas, alors je sais pas du tout. Il y a eu un bug en tout cas. Donc je verrai comment ça se passe. J'espère que ça va pas trop m'emmerder pour la suite de la vidéo, je sais pas si... Ouais, d'accord, ils sont allés là, ok, attends, on va essayer de... Ah, regardez le bug graphique. Le bug graphique. Attendez, est-ce que c'est pas un troisième... Est-ce qu'il n'y a pas un troisième groupe de... D'oiseaux? Est-ce qu'il n'y a pas un troisième groupe de piaf, là? On a celui-là. Enfin, on a ceux qui sont là-bas. Non, non, ils sont bien tous là. Ok. Ceux-là, ils vont aller. Voilà, on dirait qu'il faut encore une nuée de corbeaux. Bah oui, bien sûr. C'est ce que je me dis. On est pas au complet là. Elle est où, la dernière nuée de corbeaux? Je sais plus où c'est qu'ils me l'ont placé. Y'a personne là en haut? Non, c'est moi, personne. Oh là. Là y'en a pas, là y'en a pas. On va aller voir un petit peu plus loin. Non, là y'en a pas. On va aller voir au bout là. Peut-être qu'il y en a une. Non. Oh là là, mais sérieux quoi? Ils peuvent pas m'emmerder un autre jour, eux. Ah, c'est vous qui ont bien pu me caler ma nuée de corbeau. On n'a pas quelque chose là-dedans? Ah ben voilà. Fallait rentrer ici. Ok, d'accord. Mais moi je pensais qu'elle était, c'était calé sur les trucs qu'on avait déjà vu. Je pensais pas qu'il fallait... Enfin voilà. Attendez. Juste lâcher. Non, on peut pas lâcher. Ah voilà, on peut lâcher. Comme ça là je me recharge à fond en tout ce qu'on a, tout ce qu'il nous faut là. Comme ça il va pas faire long feu le nouveau. Enfin, le squelette, mi-squelette, mi-bout de bois, je sais pas ce que c'est. Épouvantail. Ok, c'est parti. Allez.
Non. Et voilà. Et la tête des squelettes, des corbeaux. Bah. Ok, donc là je peux direct activer ça, là il va me morfler. Oh la vache, il a, ça bug là dans ce... Ok. Bon ben voilà, c'est bon. On a le troisième morceau. Bon ça, c'était plutôt sympathique cet endroit. Énigme résolue. Bon, c'était pas spécialement une énigme. Hein, ça... Bon, on revient en arrière maintenant. On va aller voir là, cette vieille dame là, bizarre. Apparemment, elle veut nous faire rentrer dans sa boîte à musique, je crois. Non, c'est pas ça qu'elle a dit. Elle veut nous faire devenir tout petit pour faire rentrer dans la boîte à musique. Good. Now, Baba, put you inside the box. What? Close your eyes, or spell will blind you. Septum contra bestias fabulae. Ok, donc là c'est un petit peu spécial là. Oh, on a quand même loupé une gemme rouge. Bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, je vais arrêter la partie ici, là, parce que bon, ça fait comme putain plus d'une heure. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Ouais, bah je vais arrêter la partie ici. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, on verra ce que c'est cette fameuse boîte. Enfin, on verra comment c'est à l'intérieur, surtout, dans la prochaine.